Un jour, il y a bien longtemps, en Méditerranée, des hommes sont entrés dans une grotte. Ils ont peint leur vie sur les murs. Les animaux qu'ils chassaient, ce monde naturel qui était toute leur vie. Puis ils ont laissé leurs empreintes. Et ils sont partis. C'était il y a 27 000 ans. Cette grotte est la grotte Cosquer, dans les calanques de Marseille, en France. Ce sanctuaire unique au monde est désormais inaccessible. La grotte a été engloutie par la mer. Cette mer, c'est la Méditerranée. C'est bien plus qu'une simple étendue d'eau. C'est la mer qui a vu grandir les civilisations humaines. Avec elle, l'homme a parcouru un chemin immense. Il a découvert l'agriculture, il a inventé le commerce, la géométrie, l'écriture. En Méditerranée, l'homme a fondé de vastes empires, imaginé des cités immenses. Il a fait de cette région la terre des premières démocraties et des philosophes. La terre des religions du livre, le judaïsme, la chrétienté et l'islam, qui sont depuis devenues les religions officielles de la moitié de l'humanité. Enfin, la Méditerranée aujourd'hui, c'est 427 millions d'habitants et 24 pays. Et pourtant, aujourd'hui, on ne voit plus cette Méditerranée. On ne voit que ces guerres fratricides, ces tensions entre pays riverains. On ne parle que de ces conflits religieux, de ces crises économiques, de ces fractures. Aurait-on oublié l'héritage universel de la Méditerranée ? Et plus encore, aurait-on oublié combien cette région reste liée à notre propre histoire ? Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir les enfants jouer dans les quartiers palestiniens de Beyrouth et comprendre que malgré les différences, ici, on a appris à vivre en communauté. Voir les troupeaux dans les plaines d'Algérie pour comprendre ce que change le climat et ce que changera ce même climat demain sur le reste de la planète. Voir Venise, et voir aujourd'hui comment on regarde Venise, pour se dire que peut-être on se trompe dans cette course à la démesure. En un mot, prendre de la hauteur pour voir la Méditerranée autrement. Voici le récit de ce voyage inédit. Un voyage à la rencontre d'une mer au destin unique, cette Mare Nostrum, notre mer à tous, qu'on appelle la Méditerranée.